Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oh, bah dis-donc. Comment ça va? Oh, c'est une émission très rythmée qui se prépare, mesdames, messieurs. Ça va bien? Oh, c'est une émission dynamique, mesdames, messieurs, 19h-20h, avant de vous mettre à table, attention. Ce soir, beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Ce soir. Oui, Non, attention les bandes, hein, on va vous séparer, attention. Hein. Ce soir, énormément de surprises, et pour m'accompagner ce soir, 48-42-16-16. 42-48-16-16. Déjà, notez bien le numéro de téléphone, 42-48-16-16, car il va s'agir pour vous de le composer si vous voulez répondre à la devinette que je vous poserai tout à l'heure, si vous voulez gagner un filet garni. Pour m'accompagner ce soir, attention, un comédien hors pair, un homme remarquable, un ami, François Perrault. Applaudissements. Ravi de vous voir ici, cher François. Oui, merci, merci. Comment allez-vous? Comment trouvez-vous cette salle? Dynamique, n'est-ce pas? C'est bien, c'est jeune, c'est bien. Vous avez... Ouais. Chut, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez grandi depuis la dernière fois que nous sommes vus? Pas du tout, non. Ou alors on s'est vu assis, non. Peut-être, j'étais moins choqué. Oui, oui. Ouais. Non, je suis content de vous voir. Vous avez une actualité, François, on en parlera tout à l'heure, puisque vous êtes au théâtre tous les soirs. Oui. Même ce soir. Même ce soir. Quand sortons d'ici, crac. Oui. Ouais, formidable. Oui. La santé. La santé, ça se prolonge dans le pire. Oui. Oui, oui. Non, vous avez l'air en pleine forme. Non. Savez-vous, François, comment est mort le capitaine Crochet? Pas du tout, non. Et c'est la question que je vous pose ce soir, mesdames, messieurs. Comment est mort le capitaine Crochet? Si vous trouvez la bonne réponse, 42, 48, 16, 16, et vous avez la possibilité de gagner un filet garni. Ce soir, il y a La Coucour. Avez-vous déjà vu cette émission? Non. Non, La Coucour. Eh bien, nous essayons de... Je suis ici. Nous essayons de... Nous essayons de... On a pu me donner un tabouret ou quelque chose pour être à la hauteur de François Perrault, quand même. On va s'asseoir. Ça fait rien. Attention. Ça fait rien. Non, bougez pas. 1, 2, 3, tabouret. Grazie. Hop. Ah, moi j'ai le mien. Moi j'ai le mien. Donc ce soir... Ah oui, d'accord, ça commence. Mais c'est une question d'habileté. C'est pendant une heure, comme ça, vous allez voir. On vous jette des trucs et tout. Tout à l'heure, c'est des enclumes. Oui, d'accord. C'est très drôle, on jette des enclumes. Tout à l'heure, c'est hyper drôle. On va rigoler comme des fous, vous allez voir. Alors attention, Patrice Carmouze, ce soir, La Coucour, c'est très important, Patrice. Oui, La Coucour finit sa préparation parce qu'elle a un terrible conflit à arbitrer entre M. Bolognini, qui a acheté une cuisine en kit et qui ne sait pas comment la monter, et M. De Flandre, qui lui a vendue et qui ne veut pas la monter non plus. Alors La Coucour, elle est là, elle se prépare, on va arbitrer ça dans peu de temps. Dites-moi, Monsieur le Président, vous pensez qu'on arrivera à conclure cette situation pour le moins délicate? J'ai peur que la situation soit bien difficile. Bien, en tout cas, on va se retrouver. Habillez-vous, Patrice, on se retrouve tout. Comment? Oui, parce que La Coucour doit être prête à l'heure, vous savez. Oui, vous aussi. Oui. Voilà, je vois quelque chose qui pendouille. Faites attention quand ça même. Ça revient. Merci Patrice. Habillez-vous, on se retrouve tout de suite après la pub avec François Perrault pour La Coucour et tout le reste. Vous allez voir, c'est épatant. D'accord. La pub, régie finale, quand vous voulez. Voilà, applaudissements, mesdames, messieurs, on se retrouve tout de suite. Vous êtes des milliers sans doute à avoir déjà acheté une cuisine en kit. Vous êtes sans doute des milliers à vous être fait poser votre cuisine. Ce soir, il y a un vrai problème de cuisine en kit. Nous allons régler ça tout de suite. Attention, messieurs, La Coucour. François, vous avez une cuisine chez vous. Vous avez une cuisine chez vous? Oui, j'ai une cuisine. Oui. Cuisine qui a été posée par un installateur agréé. Oui, mais que j'aurais pu poser parce que comme je suis ancien élève de l'école Boulle, que j'ai mon CAP et tout, je peux donc déclarer. Quel est le monsieur qui a la cuisine qui est... Monsieur Bolognini, qui est ici présent. Vous avez votre CAP de l'école Boulle? Ah oui, absolument. Vous êtes ébéniste? Je suis ébéniste. Applaudissements pour François Perrault, même, monsieur. Très beau métier. Très beau métier. J'ai une petite marqueterie à faire à la maison. Je peux. On va s'en occuper. J'amènerai la colle, les serres joints. On va s'en occuper. Oui, d'accord, s'il vous plaît. Monsieur Bolognini, bonsoir. Bonsoir. Monsieur De Flandre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux opposés dans une affaire extrêmement... Pointilleuse. Monsieur Bolognini, vous avez acheté... Quand était-ce? Ça remonte à peu près à une année. Une année. Oui. Vous avez acheté une cuisine en kit. Oui. Déjà, vous êtes gonflé. Vous êtes professeur d'auto-école, oui. Donc vous êtes quelqu'un de sérieux, de vigilant, oui. De pas trop présomptueux. Vous n'envisagez pas que la route devant vous tout d'un coup devienne plus large qu'elle n'est. Non. Et tout d'un coup, est-ce que par hasard, en vous disant je vais monter moi-même ma cuisine... Non, mais j'ai déjà monté ma maison. Ah, oui, ça aide. Alors. Ça aide. Donc vous êtes un bricoleur. Oui. Alors là-dessus, vous achetez à Monsieur De Flandre une cuisine en kit, right? Non, ce n'est pas une cuisine en kit. Non, c'est une cuisine en... C'est une cuisine traditionnelle.
Monsieur Bologny nous a commandé des façades, uniquement des Parlez façades. Parlez bien dans l'esquimau, monsieur. Nous a commandé uniquement des façades. Expliquez-nous exactement ce qui est arrivé, monsieur De Flandre, car le cas mérite d'être en tout cas exposé de manière claire. J'ai donc rencontré monsieur Bologny chez lui. À la maison. Chez lui, et monsieur Bologny a donc monté, lui, son plan de travail, et a monté les jambages pour mettre des façades. En fait, vous étiez allé voir une exposition, et à l'issue de cette exposition, vous avez décidé d'acheter une cuisine de monsieur De Flandre pour la monter vous-même. C'est ça. En fait, j'ai vu, en fin de compte, une exposition qui se prétendait être directe d'usine. Mm-hmm. Voilà. Et en fait, en partant de cette exposition, et j'ai eu une visite d'un monsieur marchand de cuisine. Oui. Enfin, je ne me souviens plus exactement. Enfin, d'un marchand de cuisine qui est venu me rendre visite. Et on a établi, je dirais, une commande type, mais sans aucun élément, puisqu'en fin de compte, je n'avais aucun plan. C'est-à-dire que vous vouliez uniquement des plans de façade, c'est ça, des façades pour... Mais qu'est-ce que c'est? Vous appelez une façade quoi? C'est des portes devant, là? Juste non, les portes. Vous avez une façade qui est là-bas, d'ailleurs, en exposition. Ah bon, on peut amener la façade, bah, si apporter la façade, oui, en exposition. On voit la tête que ça, donc, mettez-la là. Donc, elle est entièrement terminée. Hein, oui, c'est ça. Et monsieur Bologny... Mais là, on ne les voit pas, il faut les mettre face à la caméra. Le plan de travail est posé, il y a la façade. Le plan de travail est posé, les jambages sont posés, et monsieur Bologny nous dit, bon, bah écoutez, ce que je veux, c'est avoir des façades. Oui. Donc, on a donc... C'est joli, ça, dans le décor. Non, on va peut-être le baisser un petit peu. Excusez-moi, les gars, n'en sais rien, on va le mettre comme ça. Hop. Ah, ça pèse, ça pèse. Ah, c'est une grosse façade. Ah, c'est la grosse façade. Non, c'est une haute. Comme ça, non. Ah, ça, c'est la haute. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur Bologny, à partir du moment où vous essayez vous-même de monter cette cuisine, qu'est-ce qui se passe? Non, il ne se passe rien dans un premier temps, déjà. Alors, dans un deuxième temps, alors. Parlons déjà du premier temps, parce qu'en fin de compte, il y a une commande que fait monsieur De Flandre. Je signe très rapidement une commande d'un tas de morceaux de bois, parce qu'en fin de compte, il n'y a aucun plan de montage. Est-ce que vous le saviez? Le saviez-vous? Il était question qu'en fin de compte, avec ces éléments, que je puisse obtenir au moins un agencement. Monsieur Bologny, moi on me dit, monsieur Bologny, moyennant 25% de remise, commande à monsieur De Flandre une cuisine à poser lui-même. Ouais, d'accord. C'est vrai. Oui. Non, c'est vissé, tout ça est vissé, non? Non, mais moi de toute façon, j'ai donc généralement, quand on commande une cuisine, nous on fait un plan d'implantation. Et on discute avec le client. Là, ça ne s'est pas passé. Là, ça ne s'est pas passé comme ça parce que M. Bologny avait monté toute la maçonnerie pour recevoir des façades. C'est faux. Il y a des photos qui le prouvent. Ah, c'est faux. Tout. Ah, alors, oui. Attention, alors montrons les photos. Les photos, oui, c'est simplement l'état dans lequel, par exemple, est l'évier de M. Bologny. Ah oui, ça, en ce moment. C'est pas fait la maçonnerie, ça. Vous appelez ça la maçonnerie, ça. Il y a une autre photo, peut-être, où on peut voir. L'évier. Vous êtes très joli, Patrick, je trouve. Oui, c'est vous. Là, c'est vous. Ça, c'est vous, M. Bologny, à gauche. Oui, c'est ça. C'est voilà, la maçonnerie. L'évier, vous voyez que ça ne peut pas marcher. Pain, ouais. Alors, quel est votre souci exact, M. Bologny? Donc, pour l'instant, je me retrouve avec un élément, donc une façade et une hotte en trop. Puisqu'en fin de compte, n'ayant pas obtenu de M. De Flandre cet agencement, je l'ai réalisé moi-même, c'est ce qu'il y a. C'est voilà. Ça. Alors, ce qu'a dit le président. Voilà, par exemple, mais je ne sais pas si on va bien voir. C'est si on le met face caméra aussi. Comment M. Bologny est obligé de se débrouiller? Vous voyez, il est obligé de faire les plans lui-même. On voit bien que ce sont des plans très artisanaux pour alors, le moins. Qu'est-ce que vous voudriez, M. Bologny? Ben, me défaire de ces deux éléments, en fait. Et vous, c'est M. De Flandre, vous ne voulez pas les reprendre? Attendez, moi ce que j'aurais souhaité, c'est moi faire l'implantation de la cuisine et non pas faire l'épicier dans cette affaire-là. Monsieur Bologny m'a commandé des façades, je lui ai vendu des façades. Monsieur Bologny m'a commandé une hotte. Monsieur Bologny, à la hotte et les façades. Donc Monsieur Bologny, maintenant, se débrouille. Moi ce que je veux, moi, donc dans l'affaire, c'est que Monsieur Bologny prend ses responsabilités. Monsieur Bologny vous a commandé des références sur votre catalogue. Pas des hottes. Vous aviez la hotte quand vous êtes venu me voir? Vous aviez un beau catalogue avec des références. Vous avez des cotes. Est-ce que vous aviez la hotte? Mais non. Quand on présente des hottes, on présente des photographies de hottes. C'est sûr qu'on ne peut pas se promener avec des hottes tout bien le temps. Bien sûr. Ouais. Donc M. Bologny a choisi cette hotte avec des dimensions. On lui a vendu une hotte. Président? Oui. Est-ce que M. De Flandre, est-ce que vous aviez prévenu M. Bologny que c'était très difficile à monter ou pas? Tout à fait. Monsieur Bologny, c'est complètement faux. C'est pas extrêmement difficile à monter dans la mesure. Ah mais pourquoi vous n'y arrivez pas alors? Où tout a été conçu pour que ce soit monté ensemble, mais ça n'a pas été conçu. Tout est conçu pour n'être pas monté ensemble. Alors. Voilà. Un autre exemple. Il y a actuellement un plan de travail aussi que j'ai apporté. Un plan de travail qui a été coupé à une certaine dimension. Alors sur quoi Monsieur De Flandre a-t-il coupé?
ce plan de travail. Non, mais le plan de travail, c'est la hauteur normale. C'est-à-dire le plan de travail, c'est ce qui vient recouvrir, oui, la surface. Il est trop bas, qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est une surface. Je suis content de vous serrer là aujourd'hui, parce qu'en fait, vous êtes une espèce de spécialiste, finalement. Ah, complètement. Ouais. Le plan de travail, c'est là où la ménagère fait ses préparations. Ah, c'est le plan de travail, voilà, c'est la table, en fait. Oui, non, mais c'est-à-dire que vous avez commandé, finalement, des accessoires, enfin, des ports, de notes, et en fait, il faut que ça rentre dans votre volume. Voilà, cuisine. Il y en a trop. Et bien alors, vous rendez ce qu'il y a de trop. Mais attendez, c'est que M. Bonolini nous a fait une première commande, un bon de commande. Qu'est-ce que vous proposeriez comme solution, vous, M. De Flandre, aujourd'hui à M. Bonolini ? Qu'on s'occupe de poser sa cuisine à sa place, parce que nous... Est-ce que ça va lui coûter de l'argent ? Bien sûr, c'est évident. Mais moi, je vais chez vous, je vous la pose. Je suis capable de la poser. Ça n'est pas pour longtemps. Ah. Mais c'est vrai. Attention. Je suis capable de la poser. Je suis capable de la poser, sauf que j'ai des éléments en trop, tout simplement. Voilà, c'est plus le problème de la pose. La commande n'a été faite. Vous n'avez pas besoin d'une autre. La commande a été faite. Je fais des bibliothèques pour les copains. Bon, écoutez, je fais tout ça. Je crois que l'exemple le plus simple, c'est un peu... Si un maçon devait un jour recevoir 12 portes et une fenêtre. On lui dit, maintenant, puisque vous avez 12 portes et une fenêtre, vous agencez une maison avec 12 portes et une fenêtre. Ah, voilà. Alors on s'arrange, on fait un plan. Effectivement, le maçon pourra faire un jour une maison avec 12 portes et une fenêtre. Mais ce que je veux dire, moi, dans cette affaire-là, c'est qu'il y a eu deux bons de commande de M. Bonolini. Ah, bah alors attendez, Président, parce que là, il faudrait peut-être... Alors, la première, il a commandé des façades et il m'a rappelé 6 mois après pour me dire, je n'ai pas cette façade, vous m'en recommandez d'autres. Donc, on a re-signé un deuxième bon de commande pour savoir... Presque vrai, mais vous voyez des lettres qui... Ah, c'est moins faux que tout à l'heure. C'est presque vrai. Ça s'arrange avec Monsieur de Flandre. C'est presque vrai. Si ce n'est qu'entre-temps, Monsieur de Flandre m'a demandé des sens d'ouverture de porte... Excusez-moi. Est-ce que vous seriez prêt, Monsieur de Flandre, aujourd'hui, à faire un plan d'agencement pour cette cuisine en kit et le donner à Monsieur... Non, mais surtout pas du kit. Merci, je l'ai. C'est du traditionnel, déjà. Ah, c'est du traditionnel. Les façades sont entièrement terminées. C'est du traditionnel. Donc, normalement, ça va être posé par un spécialiste. Oui. Sauf si on est ultra bricoleur comme vous, CAP de l'école Boulle, c'est plus que bricoleur. C'est d'argent. Je vous répète que j'ai fait ma maison. Ah, vous avez fait votre maison. Oui. Et votre maison est droite. Il veut le poser lui-même. Votre maison tient debout. Oui, elle tient debout. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut proposer, Président ? Eh bien, il me semble que... Est-ce que vous ne voulez pas reprendre la haute, enfin les éléments qui sont en trop ? Non, parce que je pense que nous, on peut l'utiliser et la monter, même s'il faut la retailler. Ça, c'est notre métier. Ah. Combien ça coûterait à Monsieur Bonolini si vous alliez chez lui pour monter la haute et la petite façade supplémentaire? Écoutez, déjà, M. Bonolini, apparemment, dans l'affaire, nous doit de l'argent, puisque M. Bonolini, sur la première commande et la deuxième commande, il lui a fallu 6 mois pour venir chercher ses éléments. Dites-donc, M. Bonolini. Ben, je peux prouver que non, j'ai payé tout. Ah bon? Attendez. Il a fallu déjà 6 mois. On a il vous doit de l'argent ou pas? Attendez. Non. Mais... Pour l'instant, il ne nous doit pas de l'argent. Ah, mais ah, moi, j'ai payé un supplément. Un coup, il doit de l'argent, un coup, il ne doit pas d'argent. J'ai payé. M. Bonolini commande sa cuisine au mois d'octobre, il vient la chercher au mois de janvier. Il faut savoir qu'il y a des sommes de stockage qui sont là, il y a un stockage. C'est clair. Et le manque à gagner, parce que le chèque, on l'a eu 6 mois après, on ne l'a pas eu tout de suite, c'est des éléments qui ont été fabriqués et qui ont été payés 6 mois après. Il faut savoir qu'on a déjà un manque à gagner là. Monsieur Bonolini, oui, là, vous êtes sur la tangente. Mais pas du tout, il suffit de lire le courrier. Oui, il y a un courrier, un échange entre la marque qui fabrique les cuisines. Vous faites du feu là-dedans. Non, c'est un groupe aspirant dedans. Ah oui, d'accord. Non, c'est simplement un groupe aspirant qui vient. Alors, est-ce que monsieur De Flandre, pour arranger un petit peu les choses, seriez-vous prêt, sans frais, à établir un plan d'agencement? Non, merci, je l'ai, je vous remercie. Monsieur Bonolini, arrêtez. Il va falloir qu'on trouve une solution. Non, mais merci, moi, ce que je vous demande seulement, c'est qu'on reprenne ces éléments qui me servent à rien. Et qu'on vous rende de l'argent? Eh bien, à la limite, combien? Eh bien, ça se chiffre à 4200 francs, je crois, hein, c'est ça? Ah, c'est cher. C'est ça. Et encore. Ça. Oui, je vous dis, mais encore, c'est pas tout. Vous voyez, j'ai même une planche de travail, ce fameux plan de travail, où j'ai une proposition qui a été faite à 179 francs, oui. Alors que chez M. De Flandre, je l'ai payé la baguette de 610 francs. Ah, il y a une petite différence. C'est une différence quand même. Hein. Là, on parle en mètres linéaires, c'est tout un ensemble. Hein. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, M. De Flandre? Ce que je veux, c'est faire mon métier. C'est surtout d'abord commencer et faire une implantation comme nous, on a envie. Et M. Bonolini étant plus fort que nous, a donc décidé de faire sa cuisine tout seul. Vous avez peut-être été un peu présomptueux sur la pause. Tout à fait. Mais pas du tout, mais non, je vous rappelle que j'ai fait ma maison. Oui, j'ai fait ma maison. Maison sans la cuisine. Eh bien, votre collaboratrice l'a vu, elle peut en témoigner. Bon, je lui demanderai, je poserai la question. Ah, si j'avais su, je vous aurais apporté des plans. J'ai même rédigé les plans de cette maison. Monsieur De Flandre, êtes-vous prêt? Je peux faire même téléphoner, Monsieur Bonolini.
Monsieur Deflan, êtes-vous prêt ce soir, devant témoins, devant toutes ces myriades de téléspectateurs qui nous regardent, à faire un geste? C'est-à-dire, on pourrait imaginer que Monsieur Deflan décide ce soir d'envoyer un spécialiste qui vous posera votre cuisine. Vous voulez pas de ça? Oh si, merci. J'en demandais pas tant, merci. Moyennant finance, évidemment. Ah, moyennant finance. Ah, bah, c'est oui, pas un effort, que, ça. Attendez, moi, c'est pas moi qui la pose, c'est une société où nous, on a agréé cette société. Qu'est-ce qu'on peut faire, Président? Moi, ce que je peux faire, c'est faire un plan entièrement de sa cuisine. Pour qu'il puisse mettre la haute. Je vais vous dire ce que c'est, moi, le résultat et la solution qu'on va vous apporter. Car la production peut rentrer dans la solution. Absolument. La production de Coucou C'est Nous avec François Perrault peut rentrer dans la solution. Il y a une première solution que François Perrault a imaginée tout à l'heure, c'était de venir passer un petit week-end chez vous pour poser la cuisine. Visiblement, merci. Vous n'en ouvrez pas. Oui. La production va rentrer pour la première fois. Si, je vous remercie. Non, je vous remercie. Je vous en prie, on va vous laisser 2 minutes. Mais pour la première fois, la production va intervenir. Patrice Carmouze va venir installer votre cuisine. Ah, si vous voulez, moi j'ai des... Bien, merci. Vous avez des outils? Écoutez, j'ai déjà pris. Voilà. J'ai déjà la personne. Voilà. Ça, c'est pas... Qu'en pense le public? Et voilà. J'ai déjà la personne. Voilà. Monsieur Deflan, vous vous en sortez. Et en vous, vous êtes cuit. Monsieur Bolognini. Parce que si Carmouze vient installer votre cuisine, c'est fini. C'est clair. Je veux dire qu'il n'a plus la maison non plus. Au revoir, monsieur Bolognini, nous aurons tenté. Et bonne chance. Merci. Au revoir, monsieur Deflan, bravo pour votre geste. Merci, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Applaudissements, mesdames. Vous ne prenez pas la haute. Vous ne prenez pas la haute. Non. Donc, monsieur Deflan ne reprend ni la haute ni la façade. Et Patrice Carmouze va installer la cuisine chez monsieur Bolognini. Tant pis, nous aurons tenté, monsieur Deflan. Un petit geste UTT, à ma foi, fort commercial. Mais à ma foi, si vous ne voulez pas le faire, c'est votre problème. Merci de votre présence. Attention au bloc-notes tout de suite, tout à l'heure. En avant. Hop, nous nous retrouvons au bloc-notes, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Patrice, venez vite vous installer. François Perrault également. C'est une émission où ça bouge. Attention, c'est parti. Nous allons vous installer ici à ma gauche. Hop, pardon, excusez-moi. Comment allez-vous, Patrice? Bien, bon, finalement. Ben, depuis tout à l'heure. Votre rôle de président est assez important. Hein. Oui. On essaye pourtant de faire des choses et c'est difficile. C'est difficile. C'est très facile. Enfin, je vais essayer d'aller chez M. Bolognini, mais. Ça, on le rencha. Et ça, vous avez ça. Vous avez vu tout de suite comment c'est cadré? Et c'est que la sixième, hein. Attention. Hein. Philippe Bollin, bonsoir. De quoi allez-nous vous parler ce soir? De bouquins. De bouquins. De quoi s'agit-il? Un bouquin sur le rock, un bouquin sur... Applaudissements peut-être pour Philippe Bollin, qui est un nouveau venu, qui vient essayer comme ça, qui vient. Eh bien, bonjour. Cette émission est une émission ouverte aux jeunes, mesdames, messieurs. Un bouquin sur les conducteurs, la façon dont ils conduisent, la façon dont ils sont dans leur voiture. C'est-à-dire? Pas très clair, non. Vous verrez. Non, c'est pas terrible. Bon. Pauvre petite fille riche, c'est un bouquin assez intéressant. De Bertrand Villegas, non? Vous savez tout. Ouais, himself. Oui, bon, il a pris des interviews de petites filles riches. Milliardaires. Et il a vu qu'elles avaient une vie atroce. C'est légèrement décalé. Ouais, elles ne sont pas forcément très heureuses. Hein. Non. Non, je pense même qu'elles sont plutôt malheureuses. Elles ont tort. Il y avait une chanson comme ça de Claude François. Hein. Que disiez-vous? Il y avait une chanson comme ça de Claude François. Qui disait? Toute seule sur la plage, pauvre petite fille riche. Oui, c'est c'était ça. C'est, hein. Ça. C'est ça. Au secours, vous avez raison, au secours. Et j'ai un bouquin sur un bourreau. C'est pas gay, mais... C'est un bouquin de François Foucard, qui est un chroniqueur de France Inter depuis plusieurs années, spécialisé, bien évidemment, dans la justice. Voilà. Patrice, je voudrais que vous nous fassiez une annonce voyance, car vous intéressez à la voyance, éventuellement, oui. Je ne vois pas grand-chose moi-même, mais non. Enfin... Et il vous est déjà arrivé de consulter? Non, jamais. De votre vie? Non. Très bien, car à partir de demain. Ou après-demain, demain, nous aurons de la voyance en direct, mesdames, messieurs. Donc vous pouvez nous consulter et nous téléphoner immédiatement pour poser vos questions au 42 48, je ne sais jamais 26, si c'est 26, c'est 26. 42 48 26 26, à partir de maintenant et demain après-midi, demain soir, que disais-je, Gisèle, notre voyante, vous répondra en direct et essaiera de voir pour vous si vous avez raison de poser cette question ou si vous avez raison d'envisager quelque chose. Nous avons des questions téléspectateurs pour François Perrault. François, écoutez bien. Écoutez bien. Allô? Oui? Oui, bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom, jeune spartiate? Martine. Bonsoir, Martine. Où habitez-vous? J'habite à Chamonix. À Chamonix? C'est très beau. Ah oui, magnifique, Chamonix, magnifique. On vous écoute, Martine. Alors, est-ce que vous avez accepté un rôle pour de l'argent, uniquement de l'argent? Surtout. Principalement. Surtout. C'est... Oui, c'est pas bien de dire ça. Si, c'est bien, c'est sûr. Ah, si, c'est vrai. Si. Plus c'est mieux c'est payé, plus le rôle est beau. Oui, et plus vous y allez. Et plus j'y vais. Bien sûr, avec plaisir. Oui, voilà. Martine, la réponse vous correspond-elle? Tout à fait. Merci. Ah bon? En plus, Nous avons une... Elle n'a pas d'illusion du tout sur moi. Non, aucune. Elle savait dès le départ que vous étiez vénale. Absolument. C'est clair. Une petite question pour François Perrault. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Perrault. Bonjour monsieur. Je m'appelle Jean-Jacques, j'habite Toulouse.
Ah, j'aime bien Toulouse. Vous aimez bien Toulouse? Oui, j'ai joué à Toulouse. Vous avez joué? Oui, vous n'êtes pas venu? Vous avez vu? Je vous ai vu plusieurs fois là-bas, mais pas beaucoup. Hein. Ah oui. Je voulais savoir, juste vous poser une question, monsieur Pirot. Allez-y, monsieur. Est-ce qu'un jour vous ferez de la publicité comme fait Rochefort là aujourd'hui? Le jour où on me paiera comme lui. On peut quoi? Le jour où on me paiera comme lui. Ah voilà, c'était une question d'argent alors. Ah voilà. Tout à fait, encore, oui. Oui, je ne pense qu'à ça. Merci. J'ai trop manqué dans ma vie. D'ailleurs, c'est un vieux sujet entre nous. Oui, tout à fait. Oui. Pourquoi il me dit ça? Si, je me souviens très bien. Oui, allons-y, s'il vous plaît, une troisième question pour François Perrault. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, Christophe. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir. Valérie. D'où nous appelez-vous? De la banlieue parisienne. Bonsoir, Valérie de la banlieue parisienne. Quelle est votre question? Que faites-vous dans la vie, Valérie? Je suis étudiante. Étudiante en? En droit. Très bien, on vous écoute. J'aimerais savoir quel personnage historique vous auriez aimé interpréter. Qui ça, moi? Non, monsieur Perrault. Pardon. Ben déjà, les petits me sont interdits. Hein. Vous cherchez, là? Tout ça, je ne peux pas. Hein. Vous cherchez? Napoléon, non, Les personnages du Moyen-Âge, ce n'est pas possible non plus. Les cuirasses sont trop petites. Hein. Ouais. Car François Perrault est très grand et très athlétique. Oui, très athlétique, oui. Non, j'ai envie de... oui. Non, je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à ça, non. Historique, vous voulez dire de l'ancien temps? Oui. Non, peut-être des temps modernes, un vous personnage historique. Vous avez dit en Jules Ferry, non? Ah, si vous voulez, si c'est bien payé aussi, c'est bon, ça va. Et comme quoi, les non, acteurs... Non. Les non. Acteurs, j'aurais aimé, plus jeune, jouer, je sais pas, j'aurais aimé dire être ou ne pas être, par exemple. Ça, c'est un truc qui est pas mal, déjà, oui, ça. Hein. Et puis ça condense beaucoup de choses. Oui, mais dites-le, dites-le. Eh bien, être ou ne pas être, c'est ça la question. Très joli. Eh bien, c'est joli. Oh, très joli, applaudissements même, monsieur. Quel acteur. Est-ce que nous avons d'autres questions pour François Perrault? Niette. Philippe Belin, nous vous écoutons. Bon, c'est un bouquin sur le rock'n'roll. On va parler de l'endroit où vous vous trouvez, excusez-moi, oui, Philippe, je vous on va parler de l'endroit où vous vous trouvez pendant une petite minute, là, actuellement, tous les soirs. Oui, alors je suis en ce moment au théâtre de la Gaîté Montparnasse, où je joue une pièce formidable, hein, je viens un peu pour ça, pour le dire aussi. Oui, je vous en prie, c'est pour ça qu'on vous écoute. Avec des partenaires magnifiques, alors avec donc Paul Noël, qui est fantastique, avec Jean-Luc Moreau, qui est formidable. Qui a fait la mise en scène. Alors, il a fait la mise en scène, c'est exactement, avec le fils de Pacôme. François Pacôme, voilà. Qui est tout à fait merveilleux. Moi, je suis pas mal. Hein. Bien. Et puis, vraiment, il faut venir parce que c'est une pièce drôle, émouvante et tout. Je le jure, hein. Oui, on vous croit. C'est vrai. C'est pas la publicité, l'objectivité. Vous allez nous donner, s'il vous plaît, le titre de cette pièce. Ah, le titre, c'est « Confidence pour clarinette ». Alors, il y a aussi un clarinettiste qui est formidable, c'est Pierre-François Roussillon, qui est le fils de Roussillon, le comédien de la Comédie Française. Ah, et qui alors, from the Comédie Française. Et là, il a un octuor, il a un orchestre, il est magnifique. Vous le connaissez, vous, Pierre-François Roussillon? Vous le connaissez? Non, je connais le père de qui a fait la mise en scène. Venez voir le fils, il est bien aussi. Très bien. Et vous jouez toujours de l'harmonica, non? Ça va se recommencer. Non. Vous êtes, vous ne sortez pas l'harmonica de votre poste. Non, il ne recommence pas, c'est promis. François Perrault est un formidable joueur d'harmonica. Philippe Belin, nous vous écoutons. Donc, c'est un bouquin sur le rock'n'roll. On aime bien le rock'n'roll. Je l'ai choisi parce qu'en fait, c'est un peu une encyclopédie. Vous avez les 100 meilleurs groupes, les 100 meilleurs artistes du rock. Je crois que c'est à vous de le montrer. Ouais. Et bon, bien sûr, on y retrouve ZZ Top, les Beatles, les Rolling Stones, etc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sélection de Français. Alors, qui fait en France du rock? Eh bien, ils ont sélectionné Alain Bachung, Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Lerita Mitsuko et Téléphone. C'est tout. C'est du rock. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis, il y a quelque chose que j'ai trouvé marrant, c'est que toutes les photos sont très anciennes. Alors, on retrouve des superstars aujourd'hui avec une photo qui peut effectivement porter à confusion. Je voudrais vous en montrer une pour savoir si vous arrivez. Je crois qu'on va la voir. Elle était sur la palette. Là, on en voit une, mais ça va pas être ça. Non, celle-là. À votre avis, c'est qui? C'est le garçon des Doors, ouais. Tom Morrison. Non. Il n'est pas bien parlé. Non, je vais vous donner la réponse. C'est Joe Cocker. François Perrault, c'est Joe Cocker. Ah, c'est Joe Cocker. C'est Joe Cocker. Il a grossi depuis. Il a pris du poids. Tu tutes un peu, Joe Cocker, peut-être. Hein. Sûrement. Hein? Sûrement. Donc, tu tutes un peu, je pense. Un peu beaucoup, même. Alors, c'est pour ça que c'est... Non, c'est pas comme ça? Si, bien. C'est pour ça que c'est un bouquin intéressant, sympa, Il faut etc. aimer le rock'n'roll. Il faut aimer le rock'n'roll, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment le rock'n'roll. Le bouquin sur les bourreaux, s'il vous plaît, rapidement. Le bouquin sur les bourreaux, très, très rapidement, c'est François Foucard, vous l'avez dit, qui est chroniqueur à France Inter. Alors, lui, il a réussi à retrouver... C'est un chroniqueur français. Les têtes des gens qui ont été... Non, il a retrouvé les carnets d'Anatole Deblaire, qui notait tous les jours ce qu'il faisait. Très connu.
299 têtes coupées. Oui, 299 têtes coupées. Malheureusement, il est mort. Genre, hein. Il est mort quelques heures avant la 300e. Oh voilà. Alors, il y a plein de petites anecdotes. Il y en a une que je vous raconte très rapidement. Le bourreau, un jour, est obligé de couper la tête à un curé. Et ce bourreau était très catholique. Et juste avant, le prêtre voit qu'il est très ennuyé de lui couper la tête. Et le prêtre dit au bourreau, ne vous inquiétez pas, une fois que je serai là-haut, je prierai pour vous. Ah, voilà. Très joli, pardon. Voilà. Très joli. Non, vas-y. Alors très rapidement, celui-là, on en a déjà parlé. Oui. Et puis il y a celui-là. Ah, la voiture. Alors la voiture. La voiture. Guide self-control à l'usage des conducteurs. Vous avez une voiture. Ah non, vous n'avez pas de permis de conduire, vous. Non, pas du tout. Du tout, hein. Alors ça répond c'est à plein de... Oui, je sais, il n'y a pas de voiture non plus. Non, vous me donnerez ce bouquin-là, là. Ah, mais je vous donne tout de suite. Regardez, cadeau, François Perrault, rock'n'roll, les incontournables. Okay. François Perrault et rock'n'roll. Mais ça tombe bien, je l'avais piqué dans son bureau. Je vous interromps juste deux secondes, parce que la devinette que j'ai posée en début d'émission, il est bon de la répéter. La devinette, je voudrais... Nous avons trois réponses immédiatement à la devinette. Est-ce que vous vous rappelez de la question que j'ai posée tout à l'heure? Est-ce que vous êtes attentif? Comment est mort le capitaine? Oui, Crochet. Merci, ça, François Crochet. Merci beaucoup. Première réponse, qui est là? Nous appelez-vous, qui êtes-vous? Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est Anne, j'habite dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir Anne, des Hauts-de-Seine. Et brune, pense... blonde. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis auxiliaire de puériculture. En puériculture. Joli métier. Quel âge avez-vous? J'ai 29 ans. Vous êtes seule? Non, mariée. Mes amitiés à la famille, nous vous écoutons. Comment est mort le capitaine Crochet? Mort de froid parce qu'il est plus jeune pour crocheter. Non, non, c'est pas ça. Pas c'est joli, c'est poétique. Désolé, c'est Anne, solution. C'est pas ça. Rien. Une deuxième coup de téléphone. Oui, bonjour, c'est Savane. Ah, bonsoir, qui est là? Je m'appelle Nadia de Gennevilliers. Bonsoir, Nadia. Bonsoir à toutes. Alors, Nadia, que faites-vous dans la vie, mère au foyer? Tout à fait. Bonjour aux enfants, quelle est la réponse? Comment est mort le capitaine? Crochet. C'est un alligator. Excusez-moi? Un alligator. C'est un alligator quoi? Il a mordu? Un genre de crocodile. Comment? Un crocodile. Un crocodile? Oui, un alligator, un crocodile. C'est-à-dire que le capitaine Crochet était en fait un alligator. Voilà. C'est peut-être un navigator. Un navigator, oui. Nadia, on est à tout. Merci Nadia, votre participation. Nous allons avoir une troisième réponse à la devinette avant la pub. Attention, nous vous écoutons, qui est là? Bonsoir, bonjour. Bonsoir Thierry, un ami belge? Oui. Bonsoir, comment allez-vous? Vous ferez nos amitiés à tous vos camarades qui vous entourent. Est-ce que nous sommes un petit peu regardés en Belgique? Même beaucoup. Pourvu que ça dure? Oui. On vous écoute. Alors je pense qu'il a voulu se curer le nez avec son crochet. Ah, pas mal. Ça n'est pas loin de la bonne réponse, mais malheureusement Thierry de Belgique, ça n'est pas la bonne réponse. Désolé, une autre fois avec plaisir. Au revoir. À bientôt Thierry. Attention, la publicité, François Perrault, on se retrouve tout de suite après. Ok. Attention. Nous reprenons le bloc-notes, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct du studio 102 de la Maison de la Radio, en direct et en public. François Perrault, nous continuons le bloc-notes. Philippe Bollin, vous allez pouvoir continuer, s'il vous plaît. Le bouquin sur les voitures. Vous avez tous, messieurs, vous avez tous, mesdames, vous avez tous, mesdemoiselles, j'imagine, une voiture. Ne pas comprendre. Vous avez une... Non, il a une voiture. Vous avez une voiture? Oui. Une grosse voiture? Non, une petite voiture. Petite voiture. Est-ce que vous êtes irascible en voiture? Faites-vous partie des... Non, je n'en prends jamais. Ah bon. Donc je ne suis pas irascible. Donc il ne vous est jamais arrivé de vous insulter ou de... Si, tête de con, des choses comme ça, des petites choses. Soft. Des petites choses. Ça reste à soft. Parce que Patrice, Philippe Bollin nous a préparé des choses épatantes pour la voiture. Des choses pour personnaliser sa voiture, parce que tout le monde a à peu près la même voiture. Alors dans ce bouquin, il donne des conseils. Bonjour, comment... Monsieur Grandjean, c'est un spécialiste des voitures, il est chez Peugeot, lui. On va peut-être parler avec Philippe après avoir écouté Monsieur Grandjean, parce que Monsieur Grandjean, qui est... Oui, puisqu'il parle de voitures. Voilà, Monsieur Grandjean... Il en a une belle. Excusez-moi. De voiture. Ah oui, il en a une très très belle. Monsieur Grandjean, vous êtes ouvrier chez Peugeot, à Sochaux? Oui. Et vous êtes un passionné d'automobile. Oui. Et Monsieur Grandjean, il y a une chose tout à fait épatante qui vous est arrivée, c'est que vous avez gagné à la Loterie Nationale... Non, voilà, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, Non. Vous avez gagné au loto? Non plus. À la loterie de la caisse d'épargne. À la loterie de la caisse d'épargne, ça vous va? Non. Vous avez gagné au tiercé? Non plus. Vous n'avez rien gagné? J'ai rien gagné. Il n'a rien gagné. Monsieur, alors, il n'a rien gagné. Alors, comment avez-vous fait pour acheter cette voiture exceptionnelle que vous avez, dont nous allons parler d'ici quelques minutes, Monsieur Grandjean? Je l'ai gagné, avec mes mains, bien sûr. Oui. Parce que je travaille chez Peugeot comme ouvrier, puis en dehors, j'ai une patente de garage, de mécano. Mm-hmm. Artisan. Artisan, mm-hmm. Voilà. Donc vous êtes un passionné?
Voilà. Mmh. Et puis, ma foi, je travaille le samedi, le dimanche, beaucoup. Ça, ça fait 36 ans que vous êtes chez plus Peugeot. Plus les demi-journées en dehors de chez Peugeot, parce que je travaille en doublage. Voilà. Alors, il y a 3 ans, par le biais d'une annonce dans une revue automobile, vous avez acheté une... Une Lincoln limousine, limousine appartenant à Prince, le chanteur. Est-ce que vous vous rendez compte, mesdames, messieurs, que monsieur Grandjean, ici présent, est propriétaire de la voiture Lincoln limousine qui a appartenu à... Chanteur Prince. Ah, ben voilà. Monsieur Prince. Himself. Alors, on peut voir... On va voir quelques images de cette voiture exceptionnelle, qui court un petit peu les rues aux États-Unis, mais qui est très rare en France. La consommation... Regardez-moi ça. Ah, Prince a vendu à monsieur Grandjean sa voiture. Oh, il doit se sentir tout petit là-dedans. Hein. Bah oui, surtout Prince lui-même est tout petit. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture exactement, monsieur Grandjean? C'est une Lincoln limousine. C'est une limousine, hein? Oui. Qui appartenait à Prince. Chanteur Prince. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que vous aimez dans ces voitures-là? Moi, j'adore le V8. Vous voyez, par exemple, le silence, la longueur, la largeur, le confort. Dedans, il y a quoi? Alors, deux chenilles avant, arrière, télévision, bar. Télévision avant aussi? Dangereux. interphone. Pour parler à l'arrière? Oui. Sûr, voilà. Téléphone? Pas de téléphone, non. Non. Ils l'avaient, ils l'ont enlevé. Ouais, ils sont, ces Américains, ouais, petit bras, hein, tout de suite. Oui. Vous l'avez rencontré, Prince? Non. Ah. Comment il est? Oui, ben, pour moi, vous savez. Moi, il... Non, mais il a été sympa avec vous? Ah ben, je l'ai pas vu, lui. Ah, ouais. Et sinon, il a été aimable, quand même. Non, je l'ai pas vu, lui. Vous voulez pas me dire que vous l'avez vu? Ce serait sympa pour les spectateurs qui nous regardent. Tiens, monsieur Grandjean, il a vu Prince. Enfin bon, il a serré la louche. Mais le jour où il vous l'a vendu, comment il était? C'est pas lui qui me l'a vendu. Ah, bon. Ah oui, mais il était pas irascible, enfin, je veux dire. Oui, mais ce monsieur-là, on ne l'approche pas comme ça. Hein. Monsieur Prince? Non. Comment il a voulu un petit peu de liquide ou... Non, c'est pas lui. C'est une agence qui me l'a vendu. Sinon, il a été sympa. Il exagère toujours. Patrice, une question. Est-ce que vous en servez souvent de cette voiture? Comment vous faites? C'est gros quand même. Quelques fois, oui. Ouais. Bah, je m'en servais, mais... Pour aller au travail le matin chez Peugeot? Non. C'est pour se garer que c'est dur. Jamais. Oui, la vignette, très chère. Ah ben voilà. Comment vous faites? L'essence, L'essence, c'est 40%. Non, pas tellement. Non, pas celle-là, non. Non. C'est une injection électronique, alors oui, on fait beaucoup de choses avec l'électronique. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme voiture, monsieur Grandjean? Une Buick. Qui appartenu à... L'ambassade de l'Arabie Saoudite. Comment il est, sympa? Je ne l'ai jamais vu. Non, lui non plus. Non plus. Combien vous l'avez payé cette voiture? On peut dire le prix? Non. Ah bon. Je n'ai jamais dit le prix. Vous l'avez acheté combien alors? Moi je sais, mais c'est d'où? Bon. Mais Prince, il sait aussi. Sûrement. Hein. Cher? Assez. C'est-à-dire? Expertisé. 300 millions? Non. 30 millions d'anciens francs. Et voilà. Vous l'avez acheté, vous avez fait une bonne affaire? Dis-toi, 300 000 francs, oui. Vous avez fait une bonne affaire ou une mauvaise affaire? Oh, pour moi, j'ai fait une bonne affaire. Très bien. Donc, ça se revend plus quand cher? Quand on aime, pas de problème. On ne compte pas? Non. Vous allez la revendre plus cher ou pas? Ah ben moi, je ne dis pas combien je l'ai payé. Hein. Est-ce que le fait que ce soit la voiture de Prince, c'est important pour vous? Pour moi, non. Hein. Hein, pas tellement, non. Non. Absolument. Mais sinon, il a été sympa. Non, je n'ai pas vu. Bon. Monsieur Grandjean, nous vous remercions pour votre témoignage. Nous avons eu une belle voiture. Nous vous applaudissons parce que la passion à ce niveau-là, ça mérite d'être encouragé. Bravo. Un petit mot, allez-y. Non, mais comme quoi, ça appartenait à Prince. Ouais. Ah, c'est paru dans un journal. Dans un journal, regardez. Voiture de Prince à vendre. Là, ici, là. Ah, oh, mince. Ah oui, alors je lis. Town Car 1981, ex-véhicule du chanteur Prince, longueur 7,10 m, barre, interphone, climatisation, etc. Mais il est venu avec de là-bas. Il n'y a pas le prix, hein. Non. C'est pour ça qu'il ne donne pas le prix. Non, il ne donne pas le prix. Philippe Belin, les voitures, justement, le bouquin sur les voitures. Oui, alors donc, rapidement, parce que le bouquin répond à plein de questions. Quel genre de questions? Pourquoi tout le monde conduit mal, sauf vous? On se demande pourquoi. Pourquoi l'acheter à ce moment-là? Mais c'est vrai. Et puis, pourquoi les autres prennent-ils leur voiture en même temps que vous? Ça, c'est la question que se posent les gens qui sont au volant. Voilà, et c'est les questions. Qu'est-ce que font tous ces cons dans leur voiture? Puis, il y en a aussi. À quoi reconnaît-on un mauvais conducteur? Alors, à quoi reconnaît-on un mauvais conducteur? Que c'est pas vous. Il a souvent des lunettes et les cheveux blancs. Ah oui? Oui. Il a souvent les lunettes. Oui, c'est bas. Oui, c'est petit. C'est pas faux. Mais c'est pas vrai. Mais le problème, c'est que c'est vraiment marqué dedans. Les cheveux blancs. C'est pas histoire de faire une blague à Carmouze. Non, c'est marqué dans le bouquin. Surtout qu'en plus, Carmouze n'a pas les cheveux blancs. Non. Non, moi non plus. Non. Pas de lunettes. Pas de lunettes, plutôt, oui. Bon, alors après, il y a plein de petits gadgets pour améliorer l'intérieur de votre voiture. Ça, c'est important, car c'est quand même très important. C'est une deuxième maison. Absolument. C'est votre deuxième maison.
Et deuxième maison, oui, fais-moi un coup de main, oui. Merci. Alors, merci. On prend les noms. La première chose, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est Patrice qui a la notice parce que c'est très difficile à monter. Qu'est-ce que c'est, Patrice? Ben, c'est la housse pour mettre sur les sièges. Je vous lis juste la notice, c'est assez intéressant. Mettre la housse sans accrocher d'élastique, introduire l'élastique le plus grand dans le petit tube et y appliquer les petits crochets, insérer la pression du petit tube entre le siège et le dossier, accrocher l'élastique sous le siège, accrocher les élastiques de la housse. Stop. Et ça, c'est pour... C'est oui. pour la petite tête. Il y a bon montage après. Ça, on met la housse après, voilà. Les chapeaux. C'est joli. Vous avez la robe. Voilà. Ah ben, ça, c'est ma robe. Je m'excuse, M. Grandjean, dans la voiture de M. Prince. Ah, ouais. Alors, vous aimeriez ça? Très joli comme housse. Bien sûr, c'est joli. Très joli. Puis en même temps, vous allez téléphoner. Puis en même temps, on peut mettre le papier peint pareil dans la chambre, tout ça, on n'est pas dépaysé. Tiens, non. pour monsieur Grandjean. On va lui offrir un téléphone, c'est un faux, parce que quand on n'a pas assez d'argent, on fait croire. On vous offre un téléphone, mais il faut. Il marche pas. Non, il y a la FM dessus. Ah, c'est un faux. On branche sur l'allume-cigare, c'est une FM, mais ça fait croire qu'on est au téléphone en même temps qu'on écoute la FM. Oh, monsieur Grandjean, là. Pas mal. Ouais, là, ah, ouais. Grandiose. Alors, allez. Et puis pour écouter la radio, c'est pratique en voiture. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent dans la nouvelle? Avec la téléphone de l'autre main. Oui. Tenez, M. Grandjean, cadeau de la maison, avec plaisir. On peut peut-être offrir ça à M. Grandjean, ça c'est pour améliorer aussi l'ordinaire, pour faire croire qu'on est du corps diplomatique. Ah, on a le droit de mettre ça sur une voiture? Mais non, mais on trouve ça dans le commerce. Mais c'est interdit. Bah oui. C'est pas Christophe de Chavannes, non. C'est non, le corps diplomatique. Tenez, M. Grandjean. Eh, regardez ça. Alors, on va plus le reconnaître, la voiture de Prince. Eh ben, on a des trucs pour la voiture de Prince. Mais oui, elle est turbo, la voiture de Prince. Alors, il faut non, c'est un V8, c'est pas turbo, c'est injection électronique. Elle a la BS, alors. Elle a la BS. Ça, c'est pour améliorer. Ah bah mettez-le, ça fait oui, bien. Oui, avec un turbo. Ça fait bien. Mais non, si elle a pas la BS. Ah, ah si, oui, ça fait chic. Non, plus chic. Non, vous laissez pas faire, M. C'est pour faire croire, elle est 4x4 aussi. Elle est 4x4 Oui, 4x4. Franchement, je le prends 4x4. Prenez-le. Un bouquin, 4x4, dis donc. Très important. Pour faire croire que le téléphone y est vraiment, il faut mettre la fausse antenne sur le. Mais ça existe vraiment. Bien sûr. Ça coûte 15 francs et on fait croire qu'on a le téléphone. Ah, on le casse. Voilà. On peut peut-être mettre des photos de ses animaux, de sa femme, ah, de oui, tout. Ah oui, on pense à toi. Oui. Ça, c'est utile, hein, cela dit. Ça évite de faire le couillon sur la route, on regarde les photos de la famille. Bien sûr. Ah, alors, on se suicide. Bam. C'est sûr. Alors, on se suicide à cause de ça. Oui. Ça dépend comment ils sont. Prenez-le aussi. D'accord. Ça sent bon dans une voiture. Oui, ça, c'est connu. Ça, c'est à 10 ans. Mais oui, mais d'habitude, ils sont petits. Celui-là, il est quand même très gros. Ça sent un peu les cabouilles, ça, quand même. Ça, sentez ça, vous allez m'en dire des nouvelles. Pour votre voiture. Alors, ça, j'ai trouvé ça très marrant. Quand il y a une guêpe dans la voiture, vous avez ça. Qu'est-ce que c'est? À portée de la main. C'est guêpe auto. Faut d'abord l'attraper. En 5 secondes, neutralise la guêpe et la tue en 15 secondes. Ah, ça, c'est bien, ça. Pas mal. Guêpe auto. Dis donc, faut avoir ça sur la portée de la main. Hein. Nous avons des réponses à la devinette. Bougez pas, Philippe. Bonjour, qui est là? D'où nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Comment est mort le capitaine Crochet? Allô? Allô? Oui. Allô? C'est Sophie. Bonjour, Sophie. D'où nous appelez-vous? Salanches. Salanches. En Savoie. En Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Oui. François Perrault. Je ne connais pas du tout la Haute-Savoie. Moi. Ah bon, il ne connaît pas du tout la Haute-Savoie. Sophie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Lycéenne. Comment? Lycéenne. En quelle classe? Seconde. Quel âge? 15 ans et demi. Ça va. Juste, juste, hein. Mais enfin, ça va. On vous écoute, Sophie, comment est mort le capitaine Crochet? Il s'est pendu. Ah, pas bête au crochet, hein. Non, pas bête. Non, enfin bon, on n'a pas dit au crochet. Comme ça, ça vient. Ça lui sort comme ça, vous savez. Et non, Sophie, malheureusement, ça n'est pas la bonne réponse. Attention, une deuxième tout de suite. Bonjour, bonsoir, qui est là? Allô? Bonjour, jeune homme. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'il est mort en se grattant l'œil. En se grattant? L'œil. Eh non, c'est pas ça. Ni le nez, ni l'œil. Non. C'est pas loin, hein. C'est pas le nez, c'est pas l'œil. C'est pas ça, désolé. Troisième réponse, attention. Allons-y, comment est mort le capitaine Crochet? Il y a un filet garni, monsieur, avec un petit cadeau surprise, quand même. Comment est mort le capitaine Crochet? Allô? Allô? Ah oui, il faut dire allô, hein, sinon... Allô? 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 Au secours? Madame? Madame? Allô? Non. Cherche la merde, lui. Allô? Qui est là? Allô? Allô? Il cherche, rien. C'est un jeune homme ou c'est une jeune fille? Allô? D'accord. C'est une jeune fille. Jeune fille. Ah, bonsoir mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Zora. Zora, bonsoir. Zora, la 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 la. On vous écoute, Zora. Alors, attendez. Comment est-il mort? En se grattant les coucougnettes. C'est une très bonne réponse. Voilà. Voilà. Pas tant. Alors, Zora.
Qu'est-ce que vous avez gagné, Zora? Qu'est-ce qu'a gagné? Qu'est-ce qu'a gagné cela? Un filet garni avec un tube de lait concentré, un jeu de dames, un tire-bouchon, une pompe à vélo, 16 assiettes en carton, une boîte d'élastique, un porte-clés, un kilo de petits pois extra fins. Et le cadeau surprise, attention. Et le cadeau surprise. Il est là, qui est magnifique, hein, je vais le montrer. Présentez-le, Patrice. Alors, c'est une colonne Sound Machine Philips. Compact disque programmable, double platine cassette, ampli, basse et booster. Et alors, est-ce que vous êtes contente, Zora? Vous êtes ravie? C'est un beau cadeau? On vous embrasse, au revoir, Zora. Attention, mesdames, messieurs, maintenant, la gym, c'est maintenant Ménagère qui est chez vous. Regardez-nous, comment conserver un corps svelte. Voyez Sophie, c'est parti. Alors, on va mettre un petit peu moins fort le retour. Sophie, qu'allez-vous faire comme mouvement pour que les femmes qui nous regardent sachent exactement de quoi ils retournent? C'est des mouvements d'échauffement pour avoir les seins toniques, les fesses agressives. Donc on y va, les garçons. D'accord. Bon, les garçons, pour avoir des seins toniques, hein, alors regardez bien. Hein. Surtout vous, Charlie. C'est quoi, hein. Ça, hein. Regardez bien. Non, c'est un gadget de la maison, c'est une alors, caméra. Alors, allez-y. Faut taper les mains. Non, mais faut expliquer les mouvements, hein, Sophie. Hein. Alors, il va. Ouh. C'est le micro en bas des jambes. Sophie. Là, vous... on y va. Là, c'est juste un échauffement. Oui, mais c'est pour chauffer quoi? Mais là, je perds mon micro. Le corps en général. Alors, voilà. On y va. Vous, mesdames qui êtes chez vous, regardez bien, et faites la même chose. Hein. On s'arrête. On là, s'arrête. Là, c'est juste qu'on se contracte un peu, parce que le corps est un peu énervé, là. Ah oh, oui, c'est donc chaud. Donc, on y va. Chaud. Ah, oh, c'est chaud! On respire, on souffle. On respire, on souffle. Doucement les plans, les gars. Les caméras de face plutôt. Hein. On respire. Oui, parce que j'ai le micro. Alors, là, ça assouplit les seins. Ouais, là, ça fait une détente au niveau. Alors, moi, j'avais expliqué aux femmes qui nous regardent que c'était pendant les tâches ménagères. Parce que là, si elle est on en train peut de faire la cuisine, faire couture avec ça, c'est léger. Hein. La cuisine. Alors, une maille à l'endroit. C'est pour la poitrine, là, ça devient intéressant, Christophe. Alors, tu peux venir avec nous? Non, non, je vous laisse. Allez, on y va. François Perrault, peut-être. Tu peux pas nous mettre un peu plus de musique? Oui, oui, c'est vrai. Pourquoi? Ça sera plus gai. Non? Merci. C'est très joli, les deux garçons qui vous accompagnent. Oui. On s'allonge sous le bras et la poitrine. Ce sont des collaborateurs. On garde toujours le sourire, on est contents. Après, là, elle marche très bien la caméra gadget. Ça, c'est vraiment pour la poitrine, c'est génial. Maintenant, c'est le dos. Ah, le dos, regardez, mesdames, le dos. Faut toujours garder le dos droit. Hein. Jean-Marc, c'est pas ça. Il reste 30 Moi, secondes. Moi, je garde mon micro là. Allez, la semaine prochaine, vous serez gentil. Vous m'entendez, Sophie? Oui. La semaine prochaine, vous serez gentil de montrer aux dames qui nous regardent comment elles peuvent s'assouplir en faisant des tâches ménagères. Ah, ben, c'était prévu, on a plus le temps là. Vous avez vu la souplesse de Sophie Favier, mesdames, messieurs? Allez. C'est exceptionnel. Merci mille fois, vous continuerez bien évidemment la semaine prochaine. Je rappelle que François Perrault qui est avec nous joue Confidence pour clarinette tous les soirs sauf le lundi, mise en scène de Jean-Luc Moreau. C'est au théâtre Gaîté-Montparnasse. Chez Madame Charmant. Merci à tous, merci François Perrault pour votre participation, on était ravis. Un petit bisou d'un barbu. Merci beaucoup, bonne soirée, à demain, salut, au revoir.